Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve en ce samedi 12 juillet 2014 pour ce qui est de la huitième étape de ce Tour de France, une étape longue de 161 km entre Tomblaine et Gérardmer-la-Mauzelaine. Aujourd'hui, les coureurs exploseront à la première arrivée en altitude de cette 101e édition, avec un sprint intermédiaire au kilomètre numéro 100 et trois cols répertoriés au classement du meilleur grimpeur, deux cols de seconde catégorie avec le col de la Croix des Moineaux et le col de Grosse-Pierre, respectivement au kilomètre 142 et 150. Il y aura aussi le col de troisième catégorie qui sera donc l'arrivée à Gérardmer et donc qui sera au 161e kilomètre. Aujourd'hui, les favoris sont des grimpeurs et sont trois hispaniques. Il y a Alejandro Valverde pour la Movistar, Joaquin Rodriguez pour Team Katusha et Alberto Contador pour Tinkoff Saxo. À noter qu'on devrait changer de maillot jaune aujourd'hui et pour cela, on va voir tout de suite le direct. À tout de suite. Et voilà, on reprend donc le direct à moins de 35 km de l'arrivée, alors que trois hommes sont en tête et ont compté jusqu'à 7 minutes d'avance. Il y a là Van Summeren, le coureur belge de l'équipe Garmin Sharp, Jens Voigt, le coureur allemand pour Trek Factory Racing et Tanking pour la Belkin. Le peloton qui est derrière amené par les coéquipiers du maillot jaune. Les Giants, et à noter que les coéquipiers aussi de Joaquin Rodriguez se sont placés dans les premières positions avec la Luca Paolini. Il va falloir avoir les coéquipiers pour la montagne proche de ce maillot blanc, car Romain Bardet qu'on annonce très en forme aujourd'hui, et ça va être intéressant pour notre Romain Bardet qui va devoir se replacer là en tête de ce peloton. Merci à Ben Gashtower qui a très bien fait son travail dans la plaine. Maintenant, Montaguti va aller aider le maillot blanc. Matteo Montaguti, peut-être qu'on lui demande un peu beaucoup, alors que Romain Bardet, qui a reconnu très fortement ses Vosges et qui va donc être content d'approcher sur le terrain. Romain Bardet qui est en train de, pour l'instant, de prolonger le peloton. C'est peut-être, il devrait peut-être un peu mieux se placer là. Bravo, Kadri, Riblon. Se replacer et là pour l'instant Bardet qui est en train de mener le tempo là, c'est peut-être pas à lui de faire tout ça, hein. Il est plutôt en train de monter à l'effort curseur. Voilà, il y a Riblon qui va aller l'aider là et qui va le protéger. Faut juste qu'il remonte à sa hauteur. Pour l'instant, Perrault est en train de remonter aussi. Bardet qui va tranquillement. Bah, il est en train de faire l'écrémage, Bardet. Hein. À noter hein, quand même, il est maillot blanc. Il peut être maillot jaune ce soir. C'est pas JC Perrault qui va commencer à le protéger. JC Perrault qui va juste aller se mettre à son niveau. Et c'est Christophe Riblon qui va aller le protéger. À noter que ça fait mal. Hein. Ça fait beaucoup. On voit là Frank Schleck qui a un peu de mal à tenir la cadence. Là, et il est mal placé. Matteo Montaguti, donc qui n'a pas trop. Tenu le rythme. Allez, Christophe Riblon qui va peut-être aller arriver à se placer au niveau de Romain Bardet. Ça y est, c'est fait. Romain Bardet qui ne roule pas fort pour l'instant, alors qu'il y a une attaque devant. C'est Jens Voigt qui est passé en première position à ce Grand Prix de la Montagne. Christophe Riblon qui est en train de prendre sur lui pour amener Bardet. Là, faut que Perrault aille se placer au niveau de Bardet. À noter que Dries Deveningh est en train d'essayer de prendre la roue de Romain Bardet dans la descente. Et il reste 16, 19 km pour Romain Bardet. Et ça a craqué le peloton qui est en train de s'exploser. Là, on voit les favoris qui n'étaient pas très bien placés, qui ne s'attendaient peut-être pas à une accélération aussi rapide de Romain Bardet, qui est très en forme aujourd'hui. Il nous l'a dit ce matin, il avait les jambes pour faire quelque chose. Et là, nous nous retrouvons bientôt à 5 km du prochain Grand Prix de la Montagne. Ça y est, 5 km, Horner est là. Perrault est un peu moins bien, Kadri a du mal aussi, Kadri ne va pas pouvoir aider aujourd'hui, mais JC Perrault qui devrait pouvoir aider aujourd'hui, faudrait qu'il arrive à se positionner alors qu'Alejandro Valverde est là, Bardet toujours bien, faudrait que Perrault arrive maintenant à la hauteur de Bardet, Peter Sagan qui se replace, ça va être dur pour lui aujourd'hui, JC Perrault qui doit remonter, on voit là Rodriguez qui s'inflige un gros effort, Degenkolb qui va perdre son maillot, on le voit mal là, attaque, attaque de... Il y a une attaque, ouais, c'est Rui Costa, le champion du monde, qui est parti attaquer là. Perrault qui va pouvoir protéger Bardet. Bardet qui va monter au curseur. C'est Rui Costa qui est parti avec Alejandro Valverde, avec Christopher Froome et Alberto Contador. Derrière, c'est Romain Bardet. Romain Bardet qui lui préfère monter au curseur. Ça y est, Perrault qui a fait son travail, qui va pouvoir maintenant être tranquillement. Avec dans la roue Joaquin Rodriguez, dans la roue de Romain Bardet, devant Van Summeren, Tanking sont en train de se faire reprendre. À noter qu'il y a toujours Jens Voigt devant qui devrait peut-être aller remporter cette étape. Romain Bardet très fort.
qui va devoir faire le trou entre Contador, Froome et Costa. Il a, on va dire, 44 secondes de retard. Il est en train de refaire un peu son avance, son retard, pardon. Et dans cette petite bosse là, 57 secondes, ça augmente là, malheureusement pour Bardet. Devant, ça doit être bien. Ah, ça y est, il est en train de revenir là, Romain Bardet. Il est en train de revenir là sur le trio Froome, Costa et Contador, mais ça reprend. À noter qu'il y a Valverde avec Contador et Froome et Costa. Ça va être dur, ça va être dur. 32 secondes, ça redescend. C'est bon, on va pouvoir tenter de reprendre ce groupe dans la descente. Ouais, c'est bon, on va réussir à reprendre ce groupe dans la descente. Alors que c'est dans l'oreillette, on me dit que Jones Voigt n'est plus qu'à 2 km. Allez, hop. Bardet qui va revenir avec les leaders là. Il va reprendre les leaders. Romain Bardet, très fort aujourd'hui. Jens Voigt, attention, c'est pas fini pour Jens Voigt, hein, c'est pas fait encore. Romain Bardet qui revient très vite là, sur les leaders. Valverde qui sprint, Froome qui sprint. Bardet dans la roue. Jens Voigt, ce n'est pas fait. Jens Voigt qui va peut-être se faire coiffer sur le fil. Romain Bardet qui est très bien là. Jens Voigt qui va peut-être aller malheureusement se faire coiffer. Bardet qui est très bien avec sa forme de plus 5 aujourd'hui. Bardet qui va pouvoir lancer son sprint un peu gêné. Ça y est, Bardet qui lance son sprint et Bardet qui va aller dépasser Jens Voigt. Bardet qui va aller remporter l'étape. Ah, Gérard Maire, ah, Gérard Maire, c'est Bardet qui va remporter l'étape devant Alberto Contador, Alejandro Valverde, Chris Froome, Jens Voigt 5e, Rui Costa 6e, et il prend un peu de temps, il prend plus d'une minute trente à Kwiatkowski, Velits fait 8, 9e ça va être Van den Broek, Perrault va faire juste 11e derrière Joachim Rodriguez, je ne vois pas Thibaut Pinot aussi, Thibaut Pinot qui va arriver dans le groupe de porte, je ne vois pas Pierre Roland, Thomas Vauclair qui est là. Pierre Roland, on ne le voit pas, malheureusement. Pierre Roland, faudra qu'on essaye d'aller se placer à sa hauteur. Pierre Roland de l'équipe Europcar, on va essayer d'aller chercher, je ne le vois pas. Pierre Roland, si, il est arrivé dans ce groupe-là. Pardon, il est arrivé dans le groupe de Cancellara, c'est. Et alors que le maillot jaune qui vient d'arriver, ouais, il croit qu'il est arrivé dans le groupe maillot jaune, malheureusement. Pour Pierre Roland, une chance française en moins. Alors que Johan Gene va terminer dernier de cette étape. Ça fait déjà 8 minutes que Romain Bardet a franchi la ligne et qui a remporté cette étape. Il nous l'avait dit ce matin, il était très fort, il avait de bonnes jambes. Alors que nous revoyons cette victoire au ralenti pour Romain Bardet. On va se retrouver tout de suite pour ce qui est des classements. Et après, comme d'habitude, on se retrouvera pour les podiums. Et voilà pour les podiums donc, alors que Bardet, ça a pris 15 secondes dans les Vosges, à Contador, Valverde, Froome, et 40 secondes à Costa, 1,35 à Kwiatkowski, 2,34 à Van den Broek et 3,08 à Joaquin Rodriguez. Bardet qui va donc empocher ce maillot jaune devant Contador, Froome, Kwiatkowski 4e, Valverde 5e, 6e place pour Rui Costa, 7e Jürgen Van den Broek, John Degenkolb est quand même 8e, hein. 9e place pour Velits et 10e place pour Daniele Benatti. Maillot jaune pour Romain Bardet, le Français qui a plus de 2 minutes 30 d'avance maintenant sur Alberto Contador et Christopher Froome. A noter que Bardet se repositionne aussi pour le maillot vert, mais c'est bien l'Allemand John Degenkolb qui est premier. Peter Sagan grimpe d'un échelon et passe devant Mark Cavendish. Greipel 4, démarre 5, 6e du Moulin et ça ne change pas pour la suite. Jens Voigt qui donc prend ce maillot à poids pour un petit point devant Lars Bak et Garcia. C'était son objectif aujourd'hui. Il était tout près d'aller remporter son étape. Une très belle étape pour Jens Voigt, le vétéran de 42 ans, qui aurait peut-être pu aller chercher la victoire si Bardet n'était pas revenu sur le groupe Contador. Et il a fait le sprint 2,26 d'avance au classement du maillot blanc. Ça commence à être fait. Mais attention, parce qu'il y aura un contre-la-montre de 50 km. Et pour cela, Kwiatkowski
connaît Pino relégué à 16 minutes 40. Pino à 16 minutes 40 de Romain Bardet. Si Pino qui est extrêmement loin, ça va être très dur. AG2R la mondiale toujours devant, mais cette fois-ci c'est devant le Team Sky. Trek Factory Racing 3ème, 4ème place pour Tinkoff, 5ème pour Katusa, 6ème Omega Pharma, 7ème Movistar, Giant 8ème, 9ème Lotto et 10ème le Team Europe Car. A noter qu'on va du coup maintenant aller voir les résultats d'un peu plus près. Bardet, vainqueur du jour, le français qui va remporter son étape, très content de remporter cette étape, Romain Bardet. Alberto Contador est deuxième de l'étape, troisième Alejandro Valverde, ça on l'a dit. JC Perrault qui finit 11ème et donc qui se rapproche au classement du général, 19ème. Alors on va voir au niveau les favoris qui ne sont pas piégés, mais 2,25 déjà d'avance pour Romain Bardet sur Contador et Froome. Ce n'est que les Vosges, mais c'est un premier avec un plus 5 de forme. Pierre Roland qui lui a perdu 3,42 dans la journée, c'est autant qu'a perdu un Geraint Thomas, c'est beaucoup plus qu'a perdu des Costa, des Valverde, des Kwiatkowski. Il a perdu un peu moins que des Degenkolb, il a perdu on va dire comme Geraint Thomas, voilà. Il est placé à la 16ème position juste devant Peter Sagan et Joaquin Rodriguez. Par contre, celui qui me fait peur, c'est Thibaut Pinot, relégué à 16 minutes. C'est fini le tour pour lui, hein. 58ème au placement. Même pour aller chercher un top 10, ça me semble assez difficile. Il a 10 minutes à rattraper sur le top 10, ça me paraît plutôt compliqué comme on l'a dit. Très belle victoire d'étape pour Romain Bardet. Et il est sur le podium pour l'instant juste devant Contador et Froome. Kwiatkowski à une toute petite seconde derrière Contador et Froome. Mais en tout cas, Bardet a fait le show aujourd'hui. Il a même compté 15 secondes d'avance sur ses coureurs et une 35 sur Kwiatkowski, celui contre qui il se battra pour le maillot blanc. Nous, on se retrouve demain pour ce qui sera de la 9ème étape. À demain.